Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Mendes, je travaille au laboratoire Pharma chez iFit et aujourd'hui je vais vous parler de la nutrition sportive. Moi ça fait 10 ans que je travaille sur la marque iFit, ça fait 10 ans que je conçois les produits et que je les consomme également parce que je suis un passionné de sport et de nutrition, donc aujourd'hui on va découvrir ensemble la gamme et les produits un peu plus en détail. Aujourd'hui je vais vous parler de la purée de la marque iFit. C'est la protéine de la marque iFit. Comme son nom l'indique, elle est composée de whey. Donc la whey, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine à assimilation rapide, c'est-à-dire que c'est une protéine qui va être digérée en une heure et qui vient véritablement construire le muscle. Donc à l'intérieur de la pure whey, on va retrouver bien évidemment de la whey. Donc on est sur des dosages entre 80 et 83% de protéines. On a moins de 2% de glucides, on est à 5 g de BCA. Et il faut savoir que chaque shaker va vous apporter l'équivalent de 30 g de protéines pures. À l'intérieur, on va retrouver du concentrat de whey, de l'isolat de whey et des peptides de whey. En fait, c'est exactement la même chose et ça va agir de la même manière dans la construction musculaire. C'est juste que le degré de filtration est différent et donc la vitesse d'assimilation est différente. Le concentrat de whey va être assimilé en une heure. L'isolat de whey qui est plus pur va être assimilé en 30 à 40 minutes. Et les peptides de whey qui sont des petits morceaux de protéines de whey prédigérés vont être, eux, assimilés en 15 minutes. Sur la whey, on va avoir 7 saveurs gourmandes. Et donc, comme c'est une protéine qui est vraiment destinée à de la construction musculaire, elle va se consommer péri-entraînement. C'est-à-dire que pour un sportif, elle va se consommer plutôt avant l'exercice musculaire ou juste après une séance de sport. Il faut savoir qu'après une séance de sport, on a une petite fenêtre anabolique de 1 heure où le corps est particulièrement réceptif à ce qu'on va consommer. Et c'est à ce moment-là que la whey qui apporte les BCA, qui sont par exemple des acides aminés essentiels, va permettre de venir construire le muscle et aider la régénération musculaire. Pour plus d'informations sur la nutrition sportive et plus de conseils sur la construction musculaire, suivez-nous sur Facebook et Instagram, likez nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis vous pouvez nous retrouver sur notre site ifit.com.